Sur le pouce, ce matin, je voulais vous présenter Foy de la Rouille, l'étrange affaire du pantalon de Dasoukine. Un petit bijou, c'est plein de malice, c'est un recueil de nouvelles. Donc la première nouvelle, l'étrange affaire du pantalon de Dasoukine, donne son nom au recueil et a reçu le Goncourt de la nouvelle en 2014. Foy de la Rouille, c'est quelqu'un à suivre absolument parce que c'est quelqu'un d'assez insaisissable qui écrit en français, qui écrit en néerlandais, qui écrit des essais, des romans, des nouvelles. Et qui est d'une drôlerie, qui est d'une finesse, qui réussit à jouer avec la langue, qui réussit à jouer avec l'écriture, qui s'empare vraiment de l'écriture, de la langue française, avec extrêmement de malice, qui dépeint ses contemporains, qui dépeint le bon sens populaire et qui s'en moque gentiment, mais qui a aussi une certaine affection pour l'inventivité, justement, des personnages qu'il dépeint. Je vous conseille notamment là-dedans une nouvelle qui s'appelle « L'invention de la natation sèche ». Où le personnage principal essaye d'expliquer une anecdote, quelque chose qui s'est passé dans le village, qui a posé problème pour le passage du baccalauréat dans le lycée là où il vit, et il va être systématiquement entrecoupé. C'est à mourir de rire, c'est super facile à lire, et donc Foy de la Rouille, une excellente porte d'entrée pour toutes ses œuvres. Voilà ce que je voulais vous proposer ce matin, là, vite fait, sur le pouce.